Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons l'Allemagne. Tiens donc, le solde n'est pas très bon là en ce moment. Ah bah, c'est bon, il est remonté un peu. J'ai appris qu'apparemment on pouvait continuer notre campagne, malgré qu'elle soit finie. C'est une bonne chose. Comme ça, si ça me laissera le temps, bah, tout simplement de terminer la conquête du monde entier. Après 1936, ouais, c'est ça. On s'est arrêté, ah oui, voilà, sur la conquête de la Perse et de quelques pays qui étaient venus l'aider. On avait lancé un débarque, deux débarquements, ouais, ok. Qui se sont bien rejoints, impeccable. Si je me trompe pas, on avait. On avait mis un objectif stratégique à pouvoir retirer maintenant qu'on a pris sa capitale. Hop hop hop, tac 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 tac, parfait. Le pauvre man. Okay. Hop. Ah bah voilà, faire de Sind. Du Sind, un pays fantoche ici, parfait. Ah, c'est vrai qu'il y a la compagnie des Indes orientales aussi. Faut que je les fasse passer en fantoche. Ça va faire. Ça va être drôle ça. C'est quoi ça? Ah, le Bhopal, tiens, qui est indépendant. Ok. Donc, en un premier, eux, je crois qu'ils produisent. Je veux pas dire de bêtises. Il me semble qu'ils peuvent produire de l'opium. Ils en produisent un peu, pas des masses. C'est pas grave. Ouais, là ça se fait tranquillou bilou, grâce à la compagnie des Indes orientales. Et ils sont badass hein, quand même. Hein. Ah, quand même! Ah, ça va être un sacré morceau à aller chercher ça. Ah, ils ont une belle armée. Hein. Ils sont cinquième. Ça va être un sacré morceau. Au niveau des constructions, ça se fait tout seul. Je vais juste voir au niveau du marché si ça va. Ok, ouais, bon, bah toujours les mêmes trucs. Électricité, ça a baissé, ça c'est bien. Pétrole, toujours énormément. Et le reste, c'est ok. Hein. Électricité, pétrole, et le reste, c'est vraiment très bon. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Poisson de café, ressources. Est-ce que j'ai des. Oui, il y en a plein. Hop, attendez, il y a un truc derrière, je ne sais pas ce que c'est. Ok. Annexer le Samba. Ok. Ah oui, il n'y avait pas un truc comme quoi j'avais lancé... Ah, les constructions d'opium, là, c'est fou. J'en ai 32. J'en ai 32 sur... Bah non, c'est pas possible. Si j'annule l'agrandissement. Ah c'est bien bugué hein. Ah ouais, ouais un beau bug. Bon bah c'est comme ça. Le Macron, c'est un pays fantoche. La Perse c'est un pays fantoche, impeccable. Donc on a ça, on a ça. Ça va se faire tout seul. Il reste qui là dans... Le Kala et l'Afghanistan. Ok. Bon, y a tout le monde qui arrive, je suppose, non? Même pas. Oh les salios. Revenez. Je sais pas s'ils sont... oui. Ils ont été déployés. Voilà. Et... ouais, il va falloir qu'on aille s'occuper de... De nos amis en Europe. France, Occitanie, Espagne, Portugal, Italie. Comme ça fera un peu plus beau. Ah oui, c'est vrai, les pensions de retraite. Ouais, si ça passe.
Et non, ça galère ou comment ça se passe? Ah ouais, d'accord, on est en route. On est en route, c'est pour ça. Une fois qu'on sera arrivé, on parlera la même langue. Discord au sein de la pub, petite bourgeoisie. Oui, c'est bien. On va faire venir la petite bourgeoisie. On va les faire changer de parti. Oh, c'est magnifique. Tout le monde, il est content. On a passé le cap des 120 millions de loyalistes. Ah non, c'est vrai qu'il faut pas que je regarde cette carte. Absolument magnifique. En Hanovre, c'est bon ça c'est bon. Oui, en Hanovre. 11, ouais, c'est pas mal. Ça double les puits de pétrin en Hanovre. Impeccable. Ok, le Cala. Il devrait pas tarder à être d'accord. Le Cala, Calat, je sais pas comment on dit. Il devrait pas tarder à être d'accord. L'Afghanistan, ça devrait pas tarder non plus. Tout ça, c'est même très bien tout ça pour aller chercher les petits pays là plus tard. On va voir si on va dans le journal décision. Ouais, bon, toujours pareil. Ah, il faut trois amiraux. Allez les gars, on y croit, on y croit. Là, est-ce que c'est en lien? Non, c'est pas en lien. Là, tout ça, je sais même pas si au niveau du marché, ils y arrivent. Parce que ça fait partie du Commonwealth, ça. Ah, c'est fantoche à la Grande-Bretagne, donc ça fait partie de leur marché. Mais vu que c'est entouré par la Compagnie des Indes. Ouais, ils doivent pas être rapprovisionnés, eux. Du moins pas souvent. Pénurie. Ouais, c'est ça. Ils sont en pénurie. La population, par contre, ils ont. Attends, ils ont combien, eux? Parce que c'est vrai que je leur en ai peut-être piqué un peu. Ça va. Ça va. Ouais, quand je dis piquer un peu, pas parfait, c'est en gros, vu que mon niveau de vie est plus élevé et que c'est un état fantoche, ils peuvent plus facilement passer par chez moi et leur capitale. Je sais pas, si. T'as de la capitale, ouais, bon d'accord, ils vont pas là où il faut. Allez mec, je crois en vous. Dépêchez-vous. Ouf, ah ouais. Ouais, ça se passe pas trop mal. Mais tu sais quoi? Non, c'est bâtiment. Bâtiment, on va faire passer en hôpital de campagne. Spiritueux, j'adore. Ah attends, premier soin, ça consomme plus d'opium. Ah mais j'ai pas vu le changement. Avant ça consommait de l'opium. Ah mais ça change tout. Ah mais je suis. Attendez, alors, soit je me trompe.
Alors dites-moi, ceux qui ont fait un peu attention à ça, dites-moi dans les commentaires. Pour une fois, j'en demande, tu vois. Mais dites-moi si c'est récent, ça, parce que j'ai bien l'impression. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est très récent. Les centres urbains, ils sont pas subventionnés. Bah si, il faut les subventionner. Quelle idée. Ça, pas bouger, pas bouger, pas bouger, pas bouger, pas bouger, pas bouger. Ok, parfait. Ouais, non, parce que là, je tombe un peu des nues, quoi. Hop! Bah ouais. Je peux pas lui proposer. Bon, c'est bizarre. Il va sûrement me proposer le proposer lui-même. Pourquoi je peux pas? À moins qu'il faille que je. Bon. Arrivé le pétrole de ses souffles. Ok. Oula bali. Oula, oula, oula. Calme-toi, calme-toi. 80% de taux d'alphabétisation. Ça monte, ça monte. Ça, c'est bien. Et encore, je sais qu'il me reste encore un truc à faire. Il me reste ça. D'ailleurs. Ok, impeccable. Regardez-moi ça. Hop. C'est magnifique, tout ça. Oui, vous voulez voir. Soudage l'arc. Ouais, c'est bien. 9 mois restants. Cool. Maintenant la question c'est qu'on là on peut s'occuper de la compagnie des Andes mais en vrai c'est un gros morceau hein. Non, pas de suite, on va attendre qu'il soit un peu plus fort. On va conquérir l'état ici, voilà. On va partir chercher du pétrole, hein, comme on l'avait dit dans les épisodes précédents. Objectif, un peu de pétrole. Il est débarqué. Un discours passionné et passionnant. Ok. Voilà, il est très bien, finalement, renversé. Le gouvernement bourgeois établit une république des conseils, mais il reste beaucoup de travail avant que le socialisme soit vraiment atteint. Qu'est-ce que c'est? Le parti d'Angleterre. -5% de l'impact de répression sur les groupes d'intérêt. Ouais. Multiplicateur du bureau qu'on voyait. Bof. Ouf. Ah bon, dans tous les cas, j'aurai un anarchiste, quoi. Ah, mais ce sera pas le même. Si. Gustave machin. Je sais pas qui c'est. Pas de répression. Hein. En vrai. Junker. Junker perd l'idéologie Junker. C'est magnifique. C'est. Ouais, ils deviennent des propriétaires terriens, on va dire classique au classique. Et dans l'autre cas, ils restent. Ils approuvent. Ah, fini la royauté, hein. Désolé les amis. Ah, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Voilà, les subventions. Oula. Ah non, c'est pas ça, mais attends, mais qu'est-ce qui me fait que ça... Salaire gouvernementaux. Oula, 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 oula. Moins 3 millions là. J'ai fait une connerie, c'est pas possible. C'est pas les aides sociales, mec. Non, parce que j'étais bien il y a pas longtemps. Enfin, l'impôt sur le revenu, il a pas beaucoup changé. Impôt sur consommation, ouais. Ça, il est pas très élevé. Ouais. Non, d'accord, je pense, je sais. Ah non, même pas. Subvention. Centre urbain. J'ai subventionné les centres urbains.
Non, on va arrêter ça de suite. Ça me coûte cher. Très cher. Centre urbain. Où êtes-vous, les amis? Où êtes-vous? Ils sont tout en bas, c'est ça? Oui, non, mais voilà. Oh purée! Waouh, la subvention du centre urbain là! Oh, il a piqué, hein! Oh, bah, je vais plus faire cette bêtise, hein! Ça coûte. Une blinde! Ah, mais en même temps, 3400! Ouais, bon, je comprends aussi un peu là, le délire. Bon, enfin, du coup. Plus tard! Quand on aura de meilleurs revenus, hein! Bon, mauvais, au choix. Bon, bah, on va ajouter. Faire un petit montage, je sais quoi, c'est le Hedjaz. Conquérir l'état. Ah. Il y en a deux. Bah, si, regardez. Faire les deux en même temps. Parfait. Ça c'est en cours. Oui, ils sont 10 millions, ok. Propriétaire terrien, ouais. Alors, voyons voir maintenant qu'on a. Alors, légitimité, elle a pris un coup. Pourquoi d'ailleurs? Tiens, c'est vrai qu'elle a pris cher là d'un coup. J'ai une baisse des. Non. Ouais. Ceux qui ont augmenté, il y en a qui ont augmenté peut-être? Non. Va falloir faire attention. C'est quand même bizarre, hein. On peut voir un détail des loyalistes. Syndicat de travailleurs. Ah, c'est pas mal, hein. Il n'y a plus les junkers. C'est pas normal, ça. Bon, ça, j'ai des junkers qui sont loyaux alors qu'il n'y a plus de junkers chez moi. Colonisation du Niger est maintenant terminée. Super. Action d'état, on va incorporer. Hop, le Niger. Il reste plus qu'une petite partie. Le Sahara, quoi. Grosso modo, c'est. Ça. Ça va bien. Population 80 000. Oh, mais non! Non, mais je connais là, à chaque fois, c'est chiant. Je vais rien prendre encore. C'est pas cool. Oh ouais, c'est pas cool. Parce que là, ils sont soulevés là. Donc au mieux, je prends la partie sud. Au pire, je prends aucun des deux. Ça, c'est vraiment pas sympa. Ouais, c'est pas sympa. Bon, dans tous les cas, normalement, ça, je suis censé le prendre d'un coup. Après, j'ai quand même demandé, enfin, le territoire complet, donc c'est un peu. Les deux, ils me sont hostiles. Il y en a un qui est plus hostile que l'autre. Il y en a un qui est un pouilla plus hostile, celui-là. Lui, il a 2009, lui, il a 1009. Donc, bon. Question, on va dire peut-être une question de point de vue, vu que je tape sur le mec qu'il aime pas trop, peut-être pour ça qu'il est moins hostile. Dépendance à l'opium, en Wallonie, et ouais. C'est le problème avec l'opium. Bon, et là, qu'est-ce qui se passe? Fait le maximum marché. Ouais, purée. Par contre, ouais, d'accord, là, il y a. Mais pourquoi il n'y a pas de voie ferrée? Ça se fait plus tout seul? Je l'ai mal. Parce que là, ça pose des problèmes. Hein. Bah, je crois que je sais. Alors,
Il me semblait avoir vu ça une fois. C'est que là où il n'y a pas de voie ferrée, il est incapable d'en créer une. Quand il y en a une, il sait le faire. Quand il n'y en a pas, il sait pas le faire. Oula, par contre, vous voyez doucement, on va pas en faire ça. Ah bah. Ah d'accord, je peux plus. Mais c'est que... Ah bah j'ai retrouvé un autre bug, les gars. Pologne, petite Pologne, petite Pologne. Ah bah super. Heureusement, on peut toujours passer en entrant dedans, mais ouais, c'est super ça. Ouais, et là? Ah non, là je les ai en plus, il est en train de l'agrandir. Bon bah on va l'aider un peu. Parce qu'il galère un peu. Ok, bon, il a pas voulu. Il n'a pas voulu accepter les conditions, ce qui me va d'un sens. Moi, ça va me permettre d'annexer le Edjaz. Pendant que je suis en train de refaire mes voies ferrées, saloperie. Oh la Hollande, oh la vache, elle en manque cruellement. Allez hop, on va leur foutre 10 en Hollande, tiens, des voies ferrées. Hongrie, on va en foutre 5. En Albanie, on va en mettre 5. Allez hop. Togo allemand. Pareil, 5. Ici. Oh, c'est bien peuplé en vrai. 5. Panama. Ah oui. On va mettre 5. Panama qui commence à devenir un peu peuplé aussi. En Volta. En Azerbaïdjan, j'ai galéré à le dire. Grand Caucase, on va en mettre 10, ce sera fait au moins. J'en étais où? Ici, Yeneti, je sais même pas ce que c'est ça. Saratov. Voilà, pendant que ça se conquiert tranquillement, autant le faire ça d'une bonne fois pour toutes. Hop là. Ici, pareil. Oh, bah c'est en train de se faire. Parfait. Allez, là, on va pouvoir. Il y a beaucoup d'habitants, donc autant le faire comme il faut. Perm, là c'est pareil. Bon, c'est pas beaucoup. Attraction, c'est pas beaucoup. Ah. On a bientôt fini. On a bientôt fini. Cherson. Briansk. Il y a des habitants là-bas, on va en faire plus. Orca. Pareil, et le dernier. La Wallonie. Oh la vache! On a déjà pas mal. Allez. Le Zeppelin, attendez, le Zeppelin là. Si on va en Brandebourg et qu'on fait gratte-ciel. Faire ça plus 100 de prestige, ouais. Enfant de l'hospice, un enfant ayant grandi dans une hospice s'est exprimé devant le parlement aujourd'hui détaillant les conditions de vie et demandant l'abolition des lois sur les indigents. Ah ouais, mais on met quoi à la place? Oui, mais pensons pour ça, je suis bête. Moins 2 d'improbation par les syndicats travailleurs. Non, on va éviter, hein, c'est important. Même s'il y a de la marge, je préfère éviter. Sur un malentendu, hein, sur un enchaînement de bêtises, autant, enfin deux, c'est toujours sympa à voir quoi. Ils sont tous les deux sur le même front. Ouais, non, c'est pas moi qui ai conquis ça, ça m'énerve. Je sais pas ce que ça va donner.
Ouais, bon, là, c'est fini pour le rail. Ce qui est chiant. C'est ça. Hein. Bon. Je vais accélérer le truc ici. Je vais faire un débarquement. Ici, plutôt. Ouais. Mince. Parce que... que c'est un peu long quand même là. D'ailleurs j'y pense. Non j'allais me retirer. Impeccable. 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 Les pensions de retraite, elles sont à 60%, c'est bien. Les industries sont... les junkers, il n'y en a plus. Ouais. Moins d'1%, les industries moins de 4%. Je vais juste vérifier qu'ils augmentent pas trop. Ça va. C'est quoi ça? Ok. Le Mara. J'ai un peu de réserve, mais... ça va vite en vrai. Est-ce que je peux recréer un impôt sur la consommation, bien sûr. Vêtements de luxe, voilà. En vrai, taxer les riches. Sur leur consommation, ça va. On a 7 milliards. 1,7 milliards. Sachant que c'est divisé par 2 à peu près par rapport à avant. On serait sur du 3 milliards des poussières. Par rapport à avant la mise à jour, bien évidemment. Oui, sinon. Quand est-ce qu'il se fait mon débarquement? Préparation, 15 jours, ensuite j'aurai le transport. Je me tiendrai, ok. Ils veulent l'anarchie maintenant. Comment dire, ça m'arrange pas spécialement l'anarchie quoi. Pour le coup, je perdrais énormément d'autorité pour taxer les trucs. Mais ça me poserait problème, je pense, à terme. Ok, bon, ça tombe tranquillement. Bon, j'ai fait tomber la mec. Là, il n'y a plus personne. Ça devrait être bon bientôt. C'est vrai qu'il y a la Norvège, Finlande, etc. Faut les chercher aussi, je les avais. Les Midland, ça me fera toujours autant rigoler. Quand même. Bon. Le Jutland. Ah, j'en avais un autre, je l'ai pas vu. Ouais, tout de suite, c'est en train de se faire. Allez, les gars, on y croit. Ils veulent pas là. Pourquoi ils veulent pas attaquer? Je comprends pas. Ah si, d'accord, c'était bien planqué derrière. Ouais, ouais, ils vont avoir un petit peu de mal à se défendre. Oh, 222 quoi. 222, le plus élevé étant 216. Oh, ne cherchons pas à comprendre. Ok, bon, j'ai ça. Et là, il est tombé. Je peux établir une colonie, moi. Ah ouais, j'avais pas vu. Il faut que je mette des mesures d'urgence.
Un décret d'urgence, mince. Ok, bon bah je... Je suis obligé de retirer un impôt. Dommage. Et faut que je fasse un secours d'urgence, hein, c'était ça. Hein. Ouais. Pour éviter la famine. Grande famine. Ah, il y a 4 ans de grande famine. Ok. En attendant. Tac. Et tac. Parfait. Ouais, bon, c'est bien ce que je pensais. Je ne peux pas prendre ça parce que bah ils ont une sécession entre les deux et du coup je peux pas prendre leur territoire là. Pff, je suis obligé d'accepter hein, de toute façon. J'ai pas le choix. Je sais pas si je peux reconquérir tout de suite. Et non, plus je peux pas reconquérir de suite. C'est moche hein. C'est moche quand même. C'est comme ça. Allez, on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Bon, voilà, bah, j'espère qu'il vous aura plu. Je continuerai sur le prochain épisode à conquérir ouah, ça fait du bien. Du pétrole. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Thiob. Ciao.